retrouverai ce salaud. Les bandits, les salauds. Qu'avez-vous fait dans la nuit du 4 au 5 août 1952? Et toi, commissaire, tu sais ce que t'as fait dans la nuit du 4 août? Dis donc, Clovis, t'en fais une tête? Mais la proie était tuée là où on l'a trouvée. On l'a transportée. Tu crois que c'est des bracos? Le père est vieux. Pour sauver la grande terre. Il arrivera un grand malheur à la grande terre. Regarde-moi, il arrive là, voilà. Allez, raconte. J'ai rien à dire. Alors Gustave, dis la vérité. Le 12 novembre, les policiers m'ont accusé de toutes sortes de choses. Ils m'ont dit qu'il faut en finir. Ils m'ont frappé. T'es coupable, tu nous l'as dit. Oui, c'est mon père l'assassin. C'est faux, tu mens, salaud. C'est lui qui a tout machiné. Menteur, c'est toi qui a décidé qu'il fallait accuser le père. Nous, on a dit ça, oui. Mais c'est pas vrai. À moi, ton aîné, Clovis. Tu sais bien que t'accuses le père faussement. Maillet, t'es un malhonnête homme. T'as comploté ton coup avec Clovis. Il vous fallait un coupable. Moi, je te dis que les dominicides ne sont pour rien là-dedans. Moi, je dis que si. Et que c'est spécial. Fais pas de roman, déjà, que le commissaire, ça l'empêche de dormir. Un coupable, oui, mais... pas de mobile et pas de preuves. En vertu de ce jugement, Gaston Dominici est condamné à mort.